Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de La Semaine en Cire, votre chaîne Chahidi Télévision. Tout d'abord, voici les sommaires. L'Université technologique du Congo, ITC, offre des bourses potentielles à ses nouveaux inscrits en daté du 2 au 9 octobre. Dans cette édition, nous vous parlerons aussi du journaliste et animateur des médias d'Ouvira, Priefé, aussi la santé mentale et les soins de santé mentale des malades psychiatres. Aussi, lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ville d'Ouvira. C'est tout pour le sommaire, les détails dans quelques instants. Voici le développement de cette édition. L'Université technologique du Congo, ITC, offre des bourses potentielles à ses nouveaux aux inscrits en date du 2 au 9 octobre 2023. Ces propos sont du recteur de cette structure universitaire ce dimanche lors d'une conférence débat tenue avec les anciens et les nouveaux diplômés à la salle des Palmes Hôtel de Moulongwe sur Avenue Fizi. Plus de détails dans ce reportage de Christian Matou. C'est dans les après-midi de ce dimanche que les anciens et nouveaux diplômés ont rehaussé de leur présence à une conférence débat organisée à leur intention, animée par des professeurs dont le recteur de l'ITC, le professeur docteur ingénieur Patrick Mouzé-Somora et son adjoint. Cette conférence débat avait comme thème « Comment s'orienter à l'université ?» À en croire le professeur docteur ingénieur Patrick Mouzé-Somora, l'ITC est une université qui offre beaucoup d'avantages à ses étudiants, d'où son appel aux parents d'envoyer leurs enfants à cette institution afin qu'ils bénéficient d'un enseignement de qualité. C'est que nous voulons aider les jeunes, les finalistes, que ce soit de secondaire ou des universités. C'est-à-dire ceux de secondaire qui désirent aller à l'université. Nous avons contribué à leur réflexion sur comment s'orienter à l'université. Parce que souvent on se pose cette question quand on a le diplôme d'État. Et nous avons posé des bases et des conseils pour qu'ils puissent s'orienter, pour que leur avenir soit souriant, au lieu que ce soit un avenir qui n'est pas souriant. Voilà pourquoi nous avons organisé. Et pour les étudiants qui sont au deuxième cycle, par exemple les licenciés de l'ancien système, il y a un master qui sera également ouvert. Donc ils peuvent également prendre inscription et étudier à l'ITC au niveau des maîtrises. Et donc c'est un avantage aussi de s'inscrire. Tout à fait, à partir du 2 octobre jusqu'à après une semaine, on a pris une semaine qui est une semaine des avantages. Alors, les étudiants qui vont prendre l'inscription vont bénéficier d'une bourse partielle. C'est-à-dire qu'ils ne payeront pas la totalité des frais. Il y a une partie des frais qui sera prise en compte, retenue par l'université et payée par l'université. Nous avons des partenaires qui acceptent d'aider l'université. Et même une bourse doctorale. Le premier lauréat en master au niveau de notre université, et surtout en polytechnique, pourra bénéficier d'une bourse de doctorat pour aller étudier en Amérique. Et ce sera une bourse mixte, quelques mois de son séjour en Amérique et quelques mois au Congo pour les recherches. Et ça, nous avons déjà, c'est un avantage pour les premiers lauréats. Il y a également d'autres avantages parce que dans les jours à venir, nous sommes en train de préparer le logement des étudiants. C'est-à-dire on va construire des campus internes également, au même site où on construit les auditoires. Et donc les étudiants vont bénéficier également du logement interne l'année prochaine. Dieu voilà si on termine là. Ajoutons, l'Université technologique du Congo, ITC, organise beaucoup de facultés, notamment la faculté des sciences et technologies appliquées, la faculté d'information et d'ingénierie, la faculté de gestion et informatique appliquée, pour ne citer que ça.
La Banque mondiale, à travers PFCGL, va construire un bâtiment qui va abriter les bureaux de tous les services d'ordre opérationnel à la frontière Kavimvira. À cet effet, un délai de 48 heures a été donné à la population faisant activité des fortines dans cet espace de guerpir sur ces lieux. Les détails dans ce reportage de Patient Moussa Pardon. Une durée de 48 heures est accordée aux commerçants œuvrant à la frontière de Kavimvira, dit déguerpir. Selon les receveurs Mutombo lors de sa causerie morale l'avant-midi de ce vendredi 29 septembre 2023 à la frontière, cette place doit rester vide car bientôt la Banque mondiale à travers PFCIGL va y ériger un bâtiment commun de tous les services d'ordre opérationnel à la frontière sans préciser les jours du débit. Ce dernier ajoute ce déguerpissement doit avoir lieu avant pour réduire les litiges lors de l'exécution des travaux. On l'écoute. Nous sommes venus les informer sur le projet de la Banque mondiale à travers l'organisation PFCIGL parce qu'on va construire ici sur l'espace frontalier dans les prochains jours. On va y ériger un bâtiment pour tous les services comme on l'a fait à la frontière de Ruzizi 1er à Bukavu. Ils doivent libérer cet espace et aller au-delà de la barrière de la DGDA. Nous les accordons seulement des jours. Il n'y a pas exception, aucune personne ne doit plus rester ici. Les passagers vont prendre les taxis à Mulongwe comme d'habitude et quand ils vont arriver ici, ils passeront aux formalités douanières et puis sur les formalités migratoires à la DGM et puis ils vont poursuivre leur voyage comme d'habitude. Les journalistes et animateurs des médias d'Ouvira préfèrent la santé mentale et les soins de santé mentale des malades psychiatres, cas spécifiques des communautés affectées par des conflits armés dans la zone de santé d'Ouvira. L'activité se tient ce vendredi 29 septembre, plutôt à l'hôtel Goshan à Kimanga. Reportage de Cédric Ouniga. L'activité se tient ce vendredi 29 septembre dans la salle de réunion de l'hôtel Goshen à Kimanga, dans la commune de Kalundu, sous l'exécution du centre psychiatrique Sozame Ouvira. Selon les organisateurs de ces assises, ce briefing et capacitation des journalistes permettra d'accroître leur sensibilité aux problèmes de santé mentale, tout en sachant bien identifier les signes et les facteurs de risque. Dans son adresse à l'assistance, le CT Pacific Birindo Zagabe, Project Manager à Sozame, est revenu sur les défis majeurs de soins de santé mentale à Ouvira. La difficulté d'intégration socio-communautaire des usagers des services de Sozame, au-delà de la clinique et stabilisation, pourtant une main-d'œuvre pouvant contribuer positivement pour le changement et le développement communautaire. C'est une activité inscrite dans un projet de soutien psychosocial et de santé mentale, implémenté à Ouvira en faveur des déplacés et leur communauté d'accueil affectée par les conflits armés dans la zone de santé d'Ouvira. Mise en œuvre pour une durée de 5 mois et sur appui financier de la GIZ Calipro qui a choisi la ville d'Ouvira pour bénéficier de ce projet. Globalement, nous avons organisé cette activité pour inciter les femmes et les hommes des médias à agir en faveur d'un environnement favorable à la santé mentale, mais aussi atteindre le plus grand nombre possible de la population d'Ouvira par une sensibilisation des masses sur la problématique des soins de santé mentale et le soutien psychosocial. Avec ça, nous pensons que c'est une bonne manière d'accroître la sensibilité aux problèmes de santé mentale qui sont parfois négligés ou banalisés, alors qu'en réalité, la maladie mentale, c'est une maladie comme tant d'autres maladies. Il a été aussi l'occasion pour les femmes et les hommes des médias d'Ouvira de découvrir les différents services offerts par Sozame sur le plan clinique
et approche communautaire. Les facteurs de risque et déterminants de la santé mentale, les signes majeurs précoces d'alerte d'un problème de santé mentale. Cette journée de briefing des journalistes d'Ouvira s'est clôturée à la grande satisfaction de toutes les parties, tout en invitant l'engagement d'autres acteurs en faveur de la santé mentale longtemps négligée, alors que c'est un domaine transversal touchant tous les secteurs de la vie et le bien-être mental de la population. Lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, le jeudi dernier, 28 septembre 2023. Suivez les détails dans ce reportage. Plus de 1 659 457 000 enfants sont attendus pour être vaccinés contre la poliomyélite dans 34 zones de santé de la province du Sud Kivu. Ces propos sont de Madame la ministre provinciale de la Santé le jeudi 28 septembre lors du lancement officiel de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pour Madame Kinja Mwendanga Béatrice, ces vaccins concernent les enfants de l'âge de 0 à 5 ans. Suivez ici ces propos. Nous sommes toutes et tous conviés à ce grand rendez-vous de lancement du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Ces journées vont se dérouler dans toutes les 34 zones de santé de la province du Sud Kivu et hormis les jours de rattrapage. Elle s'étend sur 3 jours, soit du jeudi 28 au samedi 30 septembre 2023. Ces journées s'inscrivent dans la vision de couverture santé universelle prônée par le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. En effet, dans le souci de garantir le développement durable de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État, à qui j'ai le noble devoir de rendre des hommages les plus déférents, a pris la ferme résolution d'assurer la promotion de la santé pour toutes les Congolaises et tous les Congolais à travers une politique d'accès équitable aux services et soins de santé de qualité. Les membres de la nouvelle société civile congolaises ont organisé un sit-in ce vendredi 29 septembre à la frontière de Kavimvira tôt le matin. Ils se sont installés à la frontière où ils ont rencontré un effectif important des éléments de la police nationale congolaise qui les a chassés dans des installations douanières. Ensuite, ils se sont retirés et passé leurs activités non loin de la frontière, à en croire les coordinateurs de la nouvelle société civile. Ce sit-in est organisé pour dénoncer les tracasseries dont sont victimes les petits commerçants transfrontaliers dans la République du Burundi. Selon certaines sources douanières contactées par la radio, le messager du peuple précise que ce n'est ni la douane congolaise ni burundaise qui est à la base de ces tracasseries, plutôt le service d'antifraude et la documentation burundaise. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition de la semaine sur votre chaîne Chahidi Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.